Excusez-moi. Oh non! Vous en avez pour longtemps. Quoi? Est-ce que l'un de vous a commandé une pizza? On pourrait peut-être se présenter, non? L'endroit le plus recherché de la ville pour se suicider un soir de réveillon où le taux de suicide explose. C'était couru. Je ne pouvais pas être seul. Ok, on fait un marché. Personne n'essaie de se suicider avant la Saint-Valentin. Quelque chose me dit qu'on va regretter d'avoir fait ça. Et une seconde, je crois qu'on a rédigé notre pacte au verso de votre note d'adieu. Et ça en a tout l'air. C'est vous qui avez vendu l'info? Ça va pas, non? Le récit tout à fait extraordinaire de la bande des suicidaires n'a pas manqué de nous étonner tous. Et si on créait notre histoire, pas la leur? On était prêts à faire le plongeon. Si je devais la décrire, je dirais... Oui, c'était un ange. Et je dirais même qu'il ressemblait à Matt Damon. Matt Damon? C'est qui, Matt Damon? Ah non, mais je sais, c'est un genre de ménage à quatre. Pardon? Ouais. Non, ouais. Quatre personnes survivent au suicide et retrouvent le goût de vivre. On est liés les uns les autres, on est une équipe. Je veux dire que c'est carrément classe. Tout ça, c'est trop. Ça, c'est mon père. Il a le don de trouver les mots qui consolent. Je suis navré pour votre fils, Marie. C'est gentil. Et c'est pas forcé pour celle-là. Vous a-t-on déjà dit que vous étiez un tantinet crétin? Je suis un politicien. Autant vous dire que j'entends ça sans cesse. Juste m'assurer que... enfin, que ça allait. Dis, faut le dire, c'est envie de te faire tuer. Oh, oh. On l'a fait, rien n'a changé. Non, rien n'a changé. Au contraire, tout a changé. C'est pas du thé. Je voulais du thé. Ouais, mais c'est moi qui invite et j'aime pas l'odeur du thé. Je me demande comment vous avez fait pour la supporter si longtemps. Les bouchons d'oreilles.